Bonjour, j'ai créé ce tuto pour vous présenter l'application mobile et le site web Wikisto. L'idée est née il y a quelques années d'un constat simple. D'un côté, lorsqu'on se déplace, nous croisons des lieux qui ont une histoire forte, mais il nous est très souvent impossible de découvrir ce qui s'y est passé. De l'autre, des historiens, des associations de sauvegarde du patrimoine et d'histoire locale passent un temps fou à tenter de sauvegarder ces lieux, mais ont du mal à se faire connaître pour attirer les visiteurs. Alors, nous avons eu l'idée suivante. Créer un outil qui permet aux fans d'histoire de disposer directement sur une application des informations mises en ligne par les acteurs qui tentent de valoriser un pan de l'histoire locale. Pour cela, nous avons développé trois choses que vous pourrez découvrir sur ce schéma. La première est un site web pour venir se connecter à un espace membre. La seconde est cet espace membre qui est composé d'une base de données disposant de services permettant aux associations de valoriser leurs activités. Il s'agit de la mutualisation des données historiques, ce qui permet à chacun de faciliter ses recherches, d'un outil de création de thèmes historiques qui permet de faire découvrir un sujet, comme la vie d'un personnage ou une période de l'histoire, d'un outil de création de balades, ce qui permet de faire découvrir les plus beaux points d'un territoire, d'un outil de création de quiz qui permet aux visiteurs d'un lieu de jouer en découvrant, d'un outil d'information qui permet à l'association de communiquer sur ses activités. Et enfin, de proposer ses services contre rémunération aux utilisateurs si on le souhaite, afin d'aider les associations dans leur recherche de fonds pour sauvegarder le patrimoine dont elles s'occupent. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque information est encapsulée à sa source. Cela pour deux raisons. La première est que celui qui a entré l'événement historique validé sera toujours reconnu comme source de l'information, même si celle-ci est réutilisée. La seconde est que cet attachement de la source nous permettra de l'aider à se faire connaître. Pour terminer, l'ensemble des informations de cet espace membre sont géolocalisées grâce aux outils qui sont proposés. La troisième est l'application mobile Wikisto, qui est téléchargeable gratuitement sous le Play Store pour Android seulement actuellement. Cette application unique se met à jour continuellement par géolocalisation, pour toujours mettre en avant les événements historiques, les thèmes, les balades, les quiz et les informations les plus proches. C'est dans ce cadre que Wikisto recherche des personnes voulant bien tester la version bêta de ses services avant le lancement complet. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site wikisto.fr dans l'espace accès historien et en haut à droite, de créer votre compte. Il faut savoir que pour les associations, ceci est entièrement gratuit. J'ai essayé d'être court, et d'autres tutoriels vidéo suivront pour vous détailler le fonctionnement de chaque service. Merci pour votre écoute, et j'espère à très bientôt sur wikisto.fr.